Aussi, le niveau monte, paraît-il. Le zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'à la cheville, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules. Les beaux quartiers n'ont jamais vu cela. Et pire qu'une tornade, pire qu'une guerre, le métro de M. Lépine est menacé. Que va devenir la tour Eiffel? Au loin, le génie de la Bastille voit pour la première fois les bateaux passer à ses pieds. On rame dans la cour de la gare Saint-Lazare. Le flot s'engouffre dans le bouillon du Val. Mais déjà, dit Jules Renard, le côté Venise de l'inondation commence à lasser tout le monde. À Boulogne, à Suresnes, les petits rentiers de banlieue s'impatientent, les voilà coupés de Paris. Mais par bonheur, les eaux baissent enfin. Paris respire.